C'est la pluie aujourd'hui en Australie. J'en peux plus de la pluie, j'en peux plus. Et notre nouveau invité à la maison, parce que oui, il y a une nouvelle personne avec nous. Il s'appelle Richie, je crois. Richard. Il a 40 piges. Et il est jardinier. Regardez les belles tranchées qu'il nous a fait. Je sais pas si on voit, mais. Tout le monde. Ouais. Ta-da! Après la pause du midi, je repars travailler là. Je travaille toute la matinée avec Simon, pas de pause. On a creusé la route sur 300 cm là. 300 cm, 300 mm. Et voilà, hein. Ça continue de charbonner, je vais essayer de vous filmer ça. Ce matin on a creusé tout ça. Enfin, Simon a creusé tout ça. Moi j'ai balayé, je vous disais si c'était de niveau ou pas. Puis après on va passer le rouleau. Et puis on va ajouter du gravier dans chaque entrée de maison pour que les gens ils puissent rentrer chez eux. Là il va vider du gravier juste là, et après on le met en place. Moi je le mets à niveau, moi. Simon. Bon, je vous explique, Romain il est parti au taf ce matin. On galère parce que de base il savait pas s'il devait travailler. Et il travaille sur une torrentielle. J'espère qu'il est abrité quand même. Alors du coup aujourd'hui moi j'ai poncé cette chambre pour pouvoir mettre du vernis une deuxième fois. Le parquet est vraiment pas dingue, il est vraiment éclaté. C'est la chambre qui est en face de lui du coup. Et puis voilà. À toutes. Bon ben là il pleut depuis ce matin. Je sais pas si on voit. Je suis en train de pomper l'eau. Boulot. On va au boulot. Salut. Il part au boulot pour savoir s'il continue de travailler cet après-midi. Parce que là, voilà quoi, il pleut, hein. Les bottes de cowboy. Cowboy boots. Fucking rain. Fucking rain. Ah, l'anglais il a mis plein de nouvelles plantes. Je vais les voir et puis je reviendrai. Ah. See you man. Oh, il pleut sur lui. See you bro. Yo les petits potes. Alors du coup j'ai fini de poncer. Et après j'ai verni tout ça. Je sais pas si vous voyez très bien. J'ai verni. C'était la deuxième couche. Du coup, je pense que quand il y aura des beaux jours, on reponcera et on posera la troisième et la quatrième couche pour que ça soit nickel. Mais là, s'il n'y a pas de soleil, c'est pas prêt de sécher, quoi. Donc Andrew, il a dit pas maintenant. Parce qu'il y a une autre personne normalement qui va arriver et il veut la mettre à dormir dans cette chambre. Du coup, au final, Romain travaille un petit peu, je crois, cet après-midi. Au cas où il pleuve quand même.
Mais le temps est pas dingue, hein. On va pas se cacher. Il fait 18 degrés quand même, donc c'est pas si mal que ça. J'ai pris du galon aujourd'hui. On m'a filé un mètre. Yes sir. Il va pleuvoir aujourd'hui. Du coup j'arrête plus tôt. Voilà, je vais arrêter vers 13h je pense. On est là. Ça y est, il pleut. C'est bien. L'éclair, le coupeur de tôle. Ah mec, tu fais la transition en mode tu la jettes et quand elle tombe, elle est déjà. Je ferai ça au prochain du coup. C'est compliqué. C'est compliqué hein. Moi du coup je suis sur le toit. Je suis en train de démonter les vieilles tôles. On a déjà fait ça. Le petit matos sympa. Ça va faire. Après là-bas, il y a Charles qui est en train de couper. Coucou Charles. Voilà, donc on va. On fait ça aujourd'hui du coup, c'est sympa. C'est sympa Charles. Hein? Deux. Vas-y, c'est parti. Petit tour de magie et je vais couper cette tôle. C'est fini. On va manger des pizzas ce soir. Oh, il pleut, Zabé. J'ai la flemme. Oh là là. Super la pluie, j'adore. Oh, oh. Tu conduis? Vas-y, tu veux. Là, moi, faut que je rush là-bas, là. Bah non, là, juste là, là. Bah non, mec, tu roules à droite, t'as dit. C'est des bâtards. Vas-y, parle, c'est parti, là. Ok. Yo tout le monde, en direct de Domino's. Hey, yo tout le monde, en direct de Domino's, là. T'es qui? T'es qui, mec? T'es qui? C'est ça la question que je me pose, t'es qui? Petite anecdote. On est venu là il y a 3 semaines, on a déposé des CV et tout. Ils étaient ouais, on a besoin de monde pour faire la livraison et tout. Ils ont jamais rappelé. Oh oui. Ça c'est pour mon Charlot. Comment ça s'ouvre cette merde là, d'accord. C'est ridicule. Tu mets ta main sur moi en taille. Après, j'ai pris une pizza, mais je voulais vraiment des accompagnements, quoi, avec. Tu as un préfou, du poulet et des frites. J'adore. Mais moi, j'ai quoi? Lui, il est extra large, c'est de l'autre sens, du coup. Oh. Ah oui, d'accord. On est en Australie, on s'est réveillé avec cette fabuleuse cérémonie d'ouverture. Montre comment tu la trouves ta cérémonie d'ouverture toi. Oh dja dja. Y'a pas moyen dja dja. Tu bats ta carte en dja dja. En cas d'un baby tu dèves ça. Oh dja dja. Y'a pas moyen dja dja. Tu bats ta carte en dja dja. En cas d'un baby tu dèves ça. Oh dja dja. Ça va l'éclair? Ça va super. Ça va super. Et là-bas, il y a des kangourous morts sur la route. Et alors, Zam? Je sais pas si on voit, mais. On n'ira pas les filmer de près parce que. Parce que la commu. On n'est pas des sauvages non plus. Voilà, tout de suite, pour la commu. Ça va. Ça, c'est des crottes de kangourous.
C'est gros comme des balles de golf à peu près. Pour combien là j'en prends une dans les mains et ça va être des minutes. Pour 4. Vas-y. 1, 2, 3, 2. Allez, vas-y. Oh putain. Un ballon, je dirais. Jamais. Ah bon? Enfin, si. Ah si, je crois. Ah si, mais faut qu'elle soit au sol. Genre elle. Putain, mais elle est grosse. Ah non, c'est en face. Si, elle, regarde, t'es prêt? Attends, attends, attends. Vas-y. Non, elles sont timides. Un petit peu celle-là. Ça regarde. Là on voit rien. Je suis en train de niquer le truc. C'est du sol. Y'a pas un genre un caillou ou un truc comme ça. Oh là, oh la faciale. Oh la faciale. C'est l'air de fou. Attends. Tu veux vous goûter? Oh, c'est trop bon. C'est vraiment bon. Ouais, vraiment. Ouais, c'est magnifique. Hein. Bah, regarde, on va faire un truc. T'aimes bien notre goût, toi? Mmh, j'aime bien. La goûte. Ça n'a pas de goût. C'est bon. Ça n'a pas du tout de goût. Quand même, Charles. Ouais, mec. J'ai l'impression de manger vraiment. C'est vraiment dégueu. Une écorce, quoi. J'ai fait une faciale, mon gars. Ça n'a pas du tout de goût. Pour manger comme ça. Ouais. Il y a des couteaux. Attends. Ça y pète. Ah. Bravo. Attends. On dirait Dark Maul. C'est impossible. Tu penses? Ouais, c'est... Non, pour moi... C'est impossible, non? You know? Ouais. Ouais. Ouais, il y a plein d'araignées. Ah là là. Je peux essayer. La dernière, c'est là-bas. Attends, là. Elle est plus fine en plus. C'est le lanceur qui est bon. Ah.
putain. Oh oui. Bien, wesh. Fais gaffe quand on est pieds parce que il y a des petits bouts de verre qui pourraient être niqués l'IEP. Ça, c'est pas gentil, ça. C'est pas sympa, ça. Sympa, les toilettes. Tu veux avoir une matrice, s'il te plaît? Merci. Eh, hey, tu cours en main, hein? Tu coupes du bois, là? Je coupe du bois, les gars. Eh ouais, mon gars. Tout ça pour les caméras. Non, c'est juste que j'avais peur. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai dû détrousser le planche, moi, qui était fixé là. Et puis après qu'on va enlever cette partie-là, on va mettre ce bois-là sur toute cette façade qui n'a pas été mise. Bah, bah, quoi. Ouais, mec. Tous. Charles apprend à faire des colas. Va plus loin que je te vois. Mec, t'es pas chez moi. On est au lycée. Lycée de Innisfail. On a joué au ballon. Ballon. Petit terrain de rugby. Faire les trois passes, c'est nice dimanche soir en détente. Ah non, vas-y là comme ça. Two tries to nil. Goodness gracious. Won't sing the pills.